Gary a été créé en 1906 pour y établir les plus grandes aciéries du monde. C'est là que je suis né, en 1943. Mes parents étaient de la région, mais ils sont venus à Gary car c'était la ville où il fallait être. J'ai grandi ici. J'ai été à l'école publique avec des enfants venant de tout le pays et du monde entier, dont les parents étaient arrivés aux États-Unis pour travailler dans les aciéries de Gary. Gary était un vrai melting pot. Ici, il y a une sorte d'atmosphère qui force à la réflexion. On vivait entouré de pauvreté, de discrimination et de chômage. Ce sont des choses qui marquent un jeune homme pour la vie et lui donnent à réfléchir. Car après avoir vu les mauvais côtés de l'économie de marché, il est impossible de s'extasier devant ses réussites. J'ai été élevé dans une famille de démocrates où l'on parlait beaucoup de politique. Mon père était agent d'assurance indépendant. C'est cet environnement qui m'a formé et m'a apporté un sens aigu de ce qu'est la responsabilité sociale et morale. Gary est né avec l'acier. Gary meurt avec l'acier. Une grande partie des problèmes de Gary sont similaires à ceux des pays émergents, confrontés à la mondialisation. Since 13 years, India entered WTO. Since that time up till now, 150,000 farmers in various states of India have committed suicides. Esta es total la razón pues, ¿no? que hay aquí. ¿Qué podemos hacer en esto? Yo estoy bastante mal perjudicado, oiga, sobre la contaminación de Texaco. No tengo ni agua ni para beber, perdiendo mi salud, mis animales. ¿Hasta cuándo será esto? No tenemos más que hacer, sino esperar de la misericordia del Señor, que se conduela de uno. Hasta los días que estamos ahí, sí, pues. No
Dios, dolor de espaldas. Ces villes industrielles du Nord, comme tant de pays en développement au Sud, sont prises dans un cercle vicieux. Quand l'économie fonctionne mal, il n'y a pas d'argent à investir dans les infrastructures, dans l'éducation et les technologies. Et sans ces investissements, il est impossible d'en attirer d'autres. Dans l'économie d'aujourd'hui, il faut aller vite pour survivre. Good morning. Oh, how are you, Mrs. Stigley? Same here. What a pleasure. Thank you for organizing this. Oh, my pleasure. Yes. Hey, Joe, how you doing? Great. It's nice to be back in Gary. Hey, welcome home. Welcome home. Gary City Hall. Yes, thank you. Well, as you may know, I've been worrying about working on the issues of globalization for some time, and I wanted to see how globalization was affecting my native city, how globalization was, and how Gary was responding to the problems of globalization. I was also interested in seeing some of the links between globalization here and what is happening in the South and the developing countries. Well, actually, you know, globalization affects everybody. It certainly affected Gary, Indiana, of course. It's like a two-edged sword, though, you know. For instance, it affects us as it relates to jobs, employment. You know, we had one of the biggest steel mills in the world. Hopefully, you have an opportunity to visit with Mattel Steel, you know. Mattel, of course, is a foreign-owned company now, but, of course, it helped us as it relates to keeping jobs in our area, so we're glad that happened, and that's the other side of the coin we were talking about. Well, what did Mattel bring in that American management or American capital couldn't have done? Why did we have to turn to an Indian company to do what you would have thought American U.S. Steel or some other American company could have done? Well, I think American company could have done it. I don't know all the ramifications why Mattel, purchased it. I guess one reason for this is that Gary is a young city. A lot of the people here are older than the city. Other cities have been growing up for 200 years. Gary's come from frontier town to mature city in 50 years. That's why I call it the city of the century. One thinks of Gary. Quand on pense à Gary, à ce qu'elle était et à ce qu'elle est aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer où en sera la Chine dans un siècle. Son expansion dure depuis 30 ans et personne ne sait quand elle s'arrêtera. But as I said before, we've got to continue to reach out and try to bring some of the global companies, such as companies that assemble items in like China, places like that, into Gary, Indiana. It's one of the big success stories of globalization, but it's also one of the big challenges to America. What do you hope to get out of your visit to China? We've got about 30 businesses over there that we're going to be talking to and try and make them understand that Gary, Indiana is the place to be for your assembly line. We'd be looking at how China has been taking advantage of globalization to see if you've got any ideas for what Gary could do. Right. Products made in China will be assembled here in Gary. That's the opposite of what used to be happening. Ce dont Gary a besoin, comme beaucoup de pays émergents et d'autres villes en déclin du Nord, c'est d'investissements étrangers. Mittal, qui appartient à un grand industriel indien, a racheté les aciéries Inland, près d'ici, dans l'est de Chicago. Mittal a sauvé l'entreprise et beaucoup d'emplois.
Certains s'inquiètent des investissements étrangers. Ils ne comprennent pas pourquoi les sociétés multinationales arrivent à importer les meilleures technologies du monde alors que les sociétés américaines n'y arrivent pas. Avec la mondialisation, aucun pays n'a le monopole de la bonne gestion. Les marchés sont devenus mondiaux. Yeah, I worked at Inland Steel. I started in 1964, September the 17th. That was a good day. I got hired. And the best day yet was the day I retired. That was February the 1st, year 2000. 35 years and 4 months. I've worked at steel mills. And now we stand here in Gary. A lot of the steel mills has left. I'm fortunate that Middle bought Inland through first some Japanese company bought some parts of it, and then Middle, which was global economy, bought it. And as since I've retired, they done bought up everything around here. The war is taking a toll on Gary because, and the whole country, because they're spending too much money over there and it's taking it away from here. And they start cutting corners. A lot of your public aid and stuff. They let it go lacking. That's how it hurt. Could you imagine what this country could have did with half the money they spent over there? I don't know where it's all going when we spend anywhere from $9 to $12 billion a month over in Iraq. That's so it don't look good. I'm 67 years old. I don't recall seeing it this bad. Ici, on voit très bien les deux aspects de la mondialisation. Des emplois perdus, d'autres créés. Gary a perdu 40% de sa population depuis son apogée. Et l'économie locale s'est effondrée. It's got to be nice to come back and, or at least interesting to come back and see how things. Young people, les jeunes les plus qualifiés et talentueux, sont partis chercher du travail ailleurs. La ville manque donc de gens qualifiés. Les infrastructures sont en ruine. La ville peine à trouver sa place dans l'économie mondiale. Cela ne crée pas d'avenir économique, mais beaucoup de chômage et une pauvreté en augmentation. Chaque ville, chaque pays possède ses propres atouts naturels. À chacun de le découvrir et de le mettre en valeur. La Chine, en se transformant, a dû réinventer une partie de son pays ainsi que ses vieilles villes industrielles. La Chine a compris que son avenir dépendait de l'éducation et des technologies et a fait un gros effort pour promouvoir les deux. Le pays a beaucoup investi dans l'éducation, donc le nombre de personnes qualifiées a augmenté et c'est pourquoi les Chinois ont pu maîtriser les technologies les plus complexes.
C'est cette association entre des travailleurs toujours mieux formés, avec un vaste réservoir d'ouvriers moins qualifiés, ainsi qu'une maîtrise des technologies qui a attiré les sociétés multinationales. Les sociétés multinationales sont implantées dans de nombreux pays. Elles y amènent des fonds et des technologies, ainsi que des ouvriers et des dirigeants de toutes nationalités. Quand elles se comportent de manière responsable, elles peuvent générer d'importants bénéfices. Mais parfois, ces sociétés profitent de leur pouvoir économique pour le seul bénéfice de leurs actionnaires, aux dépens des pays dans lesquels elles travaillent. Elles encouragent ainsi une course vers le bas, et certains pays, pour rester compétitifs, sont amenés à négliger leur environnement et la protection sociale de leurs travailleurs. En Amérique latine et en Équateur, il y avait un vrai populisme du capital. Toutes les décisions politiques, aussi absurdes qu'elles soient, si elles bénéficiaient au capital, étaient appliquées sans réfléchir. C'était un vrai populisme du capital. Et l'un de nos défis aujourd'hui, pour changer de modèle, c'est de placer l'homme avant le capital, l'être humain avant le capital, le travail avant les rémunérations du capital. Il faudra aussi redéfinir les objectifs du pays et les valeurs nationales. Il faut que les sociétés et les hommes utilisent le marché sans s'y soumettre, car le marché est un bon serviteur, mais un très mauvais maître. L'État doit contrôler le marché. Le marché doit servir la société et non l'inverse. Ya estaban perforados, de lo cual que ya se sabía qué color era el petróleo. Y comenzó a levantarse grandes nubes de humo. Sufrimos ahí tanto yo y mis hijos, mi señora. Solo pasamos enfermos. Ya no tenemos solución de ninguna manera. Que haya, como digo, mejor dicho, que haga justicia, de que no nos dejen así nomás. Nous avons extrait plus de 4 milliards de barils de pétrole. Nous avons perçu plus de 82 milliards de dollars. Mais l'économie équatorienne ne s'est pas développée. En Équateur, on constate avec regret que la malédiction de l'abondance est une réalité. Nous sommes pauvres car nous sommes riches en ressources naturelles. No me puedo irme de esta parroquia. La verdad, porque tengo mi terreno. Si nosotros tenemos animales, cuando botan el agua de formación, todo se nos muere. Así como nosotros nos morimos en la última calamidad de carne, así mismo se mueren los animales. Texaco entró a la Amazonía ecuatoriana en el año 1964. Para extraer el petróleo, ellos construyeron unas piscinas o fosas donde depositaban cientos de metros cúbicos de desechos tóxicos. Esos desechos tóxicos no los trataban,
no los reinyectaban, sino los dejaron abandonadas. Estimamos que se construyeron por lo menos 1,000 fosas donde Texaco depositó toneladas de desechos tóxicos. También el petróleo sale mezclado desde la profundidad de la tierra con una agua que es una agua tóxica que se llama agua de formación. Esa agua no debe regarse al medio ambiente, tiene que tratarse o reyectarlo en la profundidad del subsuelo. Ellos no lo hicieron, lo derramaron directamente en los pantanos, en los ríos, en los esteros, miles de millones de barriles de esa agua tóxica. Con el gas también sale desde la profundidad de la tierra junto con el petróleo. Ese gas lo quemaron libremente, lo cual contaminó el aire. El agua de formación contaminó los ríos y las piscinas, y los derrames de petróleo contaminó el suelo. Pero el daño más grave, quizás después de la destrucción de los recursos naturales y la biodiversidad, es el daño a la salud. Estimamos que somos 30,000 afectados que vivimos en el norte de la Amazonía ecuatoriana. Beaucoup de pays en développement ont la chance d'avoir des ressources naturelles en abondance. Ces ressources naturelles devraient servir leur croissance économique. Mais il y a un phénomène curieux. En moyenne, ces pays riches en ressources naturelles ne réussissent pas aussi bien que les autres. Ils sont même plus pauvres. C'est ce qu'on appelle la malédiction des ressources naturelles, ou le paradoxe de l'abondance. Il existe un autre phénomène curieux. L'abondance de ces ressources naturelles devrait aider à mettre en place une société plus égalitaire. Or, le plus souvent, ces pays riches en ressources naturelles sont moins équitables. Les sociétés multinationales qui ont joué un rôle si important dans l'extraction de ces ressources naturelles et du pétrole veulent maximiser leurs profits. Pour cela, elles doivent minimiser leurs coûts et donc payer le moins possible aux pays en développement. L'extraction des ressources naturelles cause souvent des problèmes d'environnement. Les pays baissent leurs exigences car la concurrence est forte afin d'attirer ces sociétés multinationales. Ces pays ont besoin de leur argent et dans cette bataille, la préservation de l'environnement n'est plus une priorité. Quand Texaco était en Équateur, l'État recevait environ 87% de recettes pétrolières. Texaco est resté jusqu'en 1992. En 2005, on fixa le partage des profits à 50-50 entre l'État et les entreprises pétrolières.
Aujourd'hui, le président Correa a changé les règles. C'est 99% pour l'État et 1% pour les entreprises pétrolières. Ce n'est plus la même relation qu'avant. C'était logique et normal. Quand j'étais enfant, on regardait des films où les bandits fuyaient les shérifs en traversant une frontière, car le shérif ne pouvait pas les arrêter en dehors de son état. Les entreprises internationales sont un peu comme ces vieux bandits. Elles savent que si elles retournent dans leur pays et rapatrient leurs actifs, il sera très difficile pour un pays en développement de se faire dédommager pour les dégâts occasionnés. Elles se protègent derrière le concept de responsabilité limitée. Alors que la mondialisation est partout, nous n'avons toujours pas de juridiction internationale qui permette aux pays en développement de poursuivre les hors-la-loi au-delà de leurs propres frontières. Même s'ils gagnent un procès, ils ne peuvent le faire exécuter. Il faut donc une nouvelle juridiction qui responsabilise les hommes et les sociétés qui ont causé les dégâts à l'environnement. Excuse me, Professor Stiglitz, the library will be closing. Oh, I hadn't realized it was so late. Excuse me, I'll close in right away. Very good, sir, thank you. Tant que nous n'aurons pas de juridiction internationale qui rende les individus et les entreprises responsables de leurs actes, nous continuerons à avoir ces problèmes. Les économistes pensent qu'il faut motiver les gens. Mais si rien n'est fait en ce sens, les sociétés et les hommes continueront à se comporter de manière irresponsable. Je pense que notre exemple peut être utile à d'autres pays. Nous avons dû trouver une entreprise qui était très expérimentée dans l'extraction de minéraux, et particulièrement des diamants, et qui avait aussi la capacité de vendre ces diamants, car on voulait maximiser nos profits. Nous possédons les mines à 50-50. L'État possède 50% et De Beers aussi 50%. En fait, nous possédons plus que 50% parce que nous imposons aussi leurs actions. Nous trouvons que cela est bien pour les deux parties, car ils pensent que plus nous serons satisfaits en tant que pays, plus notre accord sera stable. Donc, c'est bien pour générer des revenus et aussi pour des questions de transparence sur la façon dont ces revenus sont utilisés. Car tout est inscrit dans le budget de l'État et discuté au Parlement. Ainsi, tout le monde sait comment chaque centime de cet argent est utilisé. En 1980, la situation politique
économique et sociale du pays était très critique. Le pays était très pauvre. C'était un amalgame de tribus. Et une des premières choses que nous avons dû faire a été de réunifier ces tribus pour en faire une nation. Nous avons dû leur faire accepter que si nous prospections des minéraux et que des découvertes étaient faites, elles ne bénéficieraient pas qu'aux tribus locales, mais que tout le pays en profiterait. Boranyani tani ukebe neme buita na peta ni ukebe neme iskusa. Kwa njia kwenye kwa ukosita kajano, kwa njia technology tayi ukumbuka mje, kwa njia hata hani kwa kaha kuman uwa kormi kaka sena ka njia uwa hata kuser kuto. Thank you. Thank you. Thank you very much. Bore mo kholo kholwane ga se ko ba re bolle gope gore re tile re tsabile ja na re sia re bona mmuo e le ono re mbile mo go ha re bolla gore ga twa re bokae bokae ke gore ga re ithaloganye gore go twa e o ka re ithantse ke tsone batsadi ba rona ba ba swetse mo mahatsing. Ke bone ba ba itirileng dithadi a be ba thuga molae. Lo ntse lo utlwa ke dikile ko lebatse tsheko kaise kemo ka gore dithobolo di a walelwa tsatsi le letsatsi mapepo a lo a bonanga kore a go hitiwa go rona o tla bona dithobolo di tshwerwe go senkiwa mongwe kana o ngwegetse ka kwano re sa mmolelelwe gore bogolo a re mmonye re ba bolle gore motho yo o se kabe kwa seo mme se re se bata re bata gore ga re sekile yana re gololetsege molatsing dio tsa mohuta wa go nna jalo dite ka kwano mme go ya kong ke koo dikwele le tsone re bata go di bata mo lehatsi la rona jaanong rona ke gore dio tsa rona di emisitswe ke gore lehelo la diphologolo lehelo la diphologolo. Judgment ne tswa a ene le judgment ya gore a tholela le hatsi kana ene le gore ho ra hela gore re te ka kwano re bo re te go bolaiwa ene a re hare sambirintse
ebere utwa makokoro ata are etare ka kholia kana ene le kholimango go simonde ene re uruga ka o tantisa ko avatara are batile go tswala metsi ka nete abe ba tswala metsi ke ne ke ntse ke siana ke a ko ministering ke le ka gore ke bue le formente e go mola gore tota go huduga gare go khone me ne ra helelwa re kgokgontshiwa re sa dumele go tswelela be ke a gore ko lekgoteng ke heditse ngwaga di le 5 mo lekgoteng judgment la ha e dilwe jaana ga se be re gololetsege e tabologo ka kwanqe e jita tsuwa go tori te tsuwa gore tabologo ta kwa me ka ni u go go se kwanqe e tabologo ka ita komose e batho ba rona ba tsa go swa bothe ke tsone di tabologo tse re di bonye tsa go bolwa ke AIDS tsa tsiletsatsi tsatsi letsatsi di tabologo tsene go tuira go diwa kwa ga se re di bone le bojane ke one ka mokgwa o re boetseng mo lehatsi le ka teng there are diamonds inside the reserve the government came and told the bushmen of the CKGR that they were going to be moved from the reserve to pave way for diamond mining and wildlife conservation. You know, we're not against diamond mining. We've seen how diamonds have developed our country. You know, we know that there's diamonds in Oraba, there's diamonds where Joling, stuff like that. We are against being moved that hundreds of kilometers from our ancestral home grounds. Yeah. We wouldn't have had any problem with the government if they had moved us, you know, 5 kilometers from the site where they were going to mine the diamonds, because we know the diamonds were going to, we were going to benefit from the diamonds, and the entire nation was going to benefit from the diamonds. So, for the record, we don't have any problems with the diamonds. We have a problem with being moved out of our lands. That is our main problem. One of the most difficult problems facing un problème pour les pays en développement, c'est que les ressources naturelles se trouvent souvent dans des régions très pauvres. Le pays a peut-être gagné des milliards de dollars, mais les autochtones, eux, n'ont subi que la dégradation de l'environnement, le chômage, la perte de leur maison ou ont même été éjectés de leurs terres sans autre alternative. Nous devons donc nous assurer qu'une plus grande partie des bénéfices de ces ressources naturelles reviennent à ceux qui vivent sur les terres où elles se trouvent. Il y a tant d'argent généré par ces ressources que si on en dépensait un minimum pour protéger l'environnement et la qualité de vie de ceux qui y vivent, tout le monde y gagnerait. Then we could have a win-win situation where the country could win. Autant le pays concerné que ses habitants, dont l'environnement a été dégradé. Cela fait partie des choses à revoir pour essayer de mieux faire fonctionner la mondialisation. Cela fait partie des choses à faire pour transformer la malédiction des ressources naturelles en une bénédiction. Thank you.
Any game requires... Tous les jeux ont des règles et des arbitres. Cela concerne aussi les marchés financiers et le commerce international. Voilà pourquoi, en 1994, il a été décidé de créer l'OMC, Organisation mondiale du commerce, pour réguler le commerce international. Malheureusement, ces règles n'ont pas été établies pour promouvoir le développement des pays les plus pauvres. Ce n'est pas une surprise. Comme on pouvait s'y attendre, les riches et les puissants ont établi des règles qui défendent leurs intérêts, et plus spécialement, des intérêts bien particuliers au sein de leur pays. Ce qui est dérangeant, c'est l'hypocrisie et l'injustice de ces accords. Et on le voit bien avec les subventions à l'agriculture. À la suite de l'opposition générale à ces nouveaux accords commerciaux, il y a eu une réunion à Doha en novembre 2001 pour établir de nouvelles règles plus équitables pour les pays en développement. Une table ronde pour le développement. Mais les États-Unis et l'Europe ont trahi leurs promesses. Les pays émergents ont alors refusé de s'y rallier, préférant l'immobilisme à un autre accord mal équilibré. En réponse au blocage de ces pourparlers, les États-Unis ont développé des accords bilatéraux de libre-échange. Le libre-échange profite aux plus compétitifs, aux plus productifs, à celui qui a la meilleure technologie. Nous ne sommes pas contre le commerce, mais contre l'ouverture à tout va.
le libre-échangisme primaire. Nous allons commercer pour notre développement, mais un commerce juste et équitable qui bénéficie aux deux partenaires. Mais attention à cette idéologie déguisée en science qui prétend que le libre-échange est toujours le plus efficace et le plus équitable. C'est faux. Mais en plus, ces traités de libre-échange qu'ont imposés les États-Unis, comme la NAFTA et CAFTA en Amérique centrale, en Colombie, au Pérou, les États-Unis négocient en répliquant partout la même chose. Ce n'était ni du libre-échange, ni du commerce. Pour l'Équateur, on négociait 18 clauses, dont seulement 6 traités de libre-échange. Les autres traités d'investissement étranger, de droits des propriétés intellectuelles, tant critiqués par les académiciens comme les professeurs Stiglitz, où on voulait nous imposer le droit de pouvoir breveter des plantes que nos populations connaissaient depuis très longtemps. C'était donc beaucoup plus que du commerce, mais de restrictions qui limitaient beaucoup le rôle de l'État et la souveraineté de l'Équateur. Pour toutes ces raisons, un gouvernement qui comprend l'économie et veut le bien pour son peuple, sans succomber aux idéologies absurdes, mais aux nécessités de l'Équateur, a refusé et jeté à la poubelle ce traité de libre-échange. L'OMC doit changer. L'OMC a instauré des règles de commerce international qui sont injustes. D'une certaine manière, cela a aussi coûté très cher aux pays développés. Car les subventions à l'agriculture, qui font tant de mal aux pays en développement, sortent de la poche des contribuables de nos pays. Au nord et au sud, on est convaincu qu'il y a plus de perdants que de gagnants. Tant qu'il n'y aura pas de relation de confiance, il sera difficile de faire progresser les accords de libre-échange. आणि आपला राग आपण व्यक्त करतो नाही का आत्महत्या करण्यापेक्षा हा निर्णय चांगला आहे आणि मग सगळ्या गावातल्या लोकांची याच्याबद्दलची सहमती आहे सहमती आहे सर्व लोकांची लोकांची निर्णय म्हणजे किडनी विकणे म्हणजे हा गुन्हाच पात्र आहे की नाही हो गुन्हाच आहे तो एक गुन्हाच आहे की नाही त्याशिवाय ते कान उघडणार नाही ना सरकारचे बरोबर आहे इथपर्यंत लोक गेले बा कसे गेले काय गेले हे त्याच्या लक्षात आलं पाहिजे चांगलं आहे ना आंदोलनाचा एक नवीन मार्ग तुम्ही दाखवला सगळ्या शेतकऱ्यांना असं म्हणायला पाहिजे तुमच्या गावाचं खरंच अभिनंदन करायला पाहिजे कारण की त्याच्याशिवाय हे ऐकत नाही ऐकत नाही नमस्कार नमस्कार या ना इकडे बसू ना या अशी पासा नमस्कार नमस्कार
शेतकरी भावांनो माय बहिणींनो काल भारताचे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी राहुरीत असं म्हटलं की शेतकऱ्यांचं कर्ज कमी करण्याचा सरकार आता विचार करत आहे आणि अर्थमंत्री लवकरच एक घोषणा करणार आहेत आणि नुसतं असंच नव्हतं म्हटलं तर कर्ज माफ करून होणार नाही तर आम्हाला कर्जमुक्ती हवी म्हणजे आम्हाला कर्ज परत करायची ताकद पाहिजे आहे आणि त्याच्याकरता आमच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे अशी मागणी आपण केली होती. आता यावर्षी तुम्ही पहा परिस्थिती कशी आहे की यावर्षी सगळ्या शेतीमालाचे भाव वाढलेले आहेत, है ना. सोयाबीनचा भाव वाढला आहे, कापसाचाही भाव आता वाढायला लागला, गव्हाचा भाव वाढला आहे, डाळींचा भाव वाढलेला आहे. आता हे भाव जर स्थिर केले आणि पुढचे 2-3 वर्ष जर भाव कमी होणार नाही याची जर हमी दिली तर आपली परिस्थिती दुरुस्त होईल की नाही होईल. कारण आता प्रत्येक पक्ष हा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करा कर्जमाफी करा असं म्हणत आहे, पण नुसती माफी करून उत्तर मिळणार आहे का? नाही. तर आपल्याला काय पाहिजे, आपल्या मालाचा भाव मिळाला तर आपण कर्ज परत करू शकू. तर या दिशेने आणि आता आज बाजारात तेजी का आली तर जागतिक बाजारात तेजी आली म्हणून. मग आता जागतिक बाजारात भाव वाढले तर आपल्याकडे वाढतील, जागतिक बाजारात भाव पडले तर आपल्याकडे पडतील, असं सरकारचं धोरण बरोबर आहे का? नाही. मग सरकारने आपल्या शेतकऱ्यांना वाचवण्याकरता आपलं धोरण ठरवलं पाहिजे. जागतिक बाजारात भाव पडले तर अमेरिकेच्या शेतकरी आत्महत्या नाही करत, कारण तिथल्या शेतकऱ्याला प्रचंड सबसिडी आहे. मी मागे तुम्हाला सांगितलं होतं ना की अमेरिकेच्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना 20,000 कोटी रुपयाची सबसिडी आहे, त्याच्यामुळे तिथे भाव पडले तरी ते मरत नाही. पण आपल्याकडे आपल्याकडे काही सुरक्षा नाही, निसर्गाच्या काही सुरक्षा नाही आणि खर्च सगळे वाढले, तर ही सगळी बदमाशी सुरू आहे सध्या. आता तिथे पुढच्या वर्षी तिथल्या राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुका आहेत, तर त्या निवडणुका असल्यामुळे ते शेतीच्या सबसिडी कमी करण्याकरता बोलणी करायला सुद्धा तयार नाही आहेत सरकार. म्हणजे 2% शेतकऱ्यांचा त्यांच्यावर इतका दबाव आहे, पण आपण 75-70% असूनही आपला काही दबाव नाही. Ce qui fausse énormément le commerce international, ce sont les subventions distribuées par les pays développés, les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis et l'Europe subventionnent divers produits et leurs produits agricoles pour plus $1 milliard par jour. Dans tout accord de libre-échange, les prix sont fixés par le marché. Mais à cause des distorsions créées par les subventions, il n'y a pas de libre-échange. Les subventions représentent près de 40% du prix du coton américain. Comment un fermier africain ou indien peut-il être compétitif tant que les États-Unis subventionneront leur coton ? Des pays en Afrique et en Asie qui n'ont pas pu être compétitifs à cause de ces subventions n'ont pas investi dans l'agriculture. C'est le point crucial. Sans ces subventions, les pays et les paysans africains en Asie, dans le Pacifique, investiraient dans leur propre agriculture car ils pourraient être compétitifs. Aujourd'hui, le fermier indien n'est pas en concurrence avec le fermier américain, mais avec le gouvernement américain et le trésor américain. हा प्रश्न विचारायचा आहे की अमेरिकेतल्या शेतकऱ्याला जर अशी सबसिडी सुरू राहिली
तर भारतातील शेतकऱ्याला न्याय कसा मिळेल? Si nous voulons établir de nouveaux accords commerciaux pour augmenter les échanges entre les pays développés et les moins développés, il faut mettre en place des règles commerciales équitables pour les pays émergents. Cet accord devra régler les déséquilibres et l'hypocrisie des subventions agricoles qui ont fait tant de dommages dans les pays en développement. Mais il faut aller plus loin. Il faut des règles commerciales pour le développement. Enfin, les pays en voie de développement devraient avoir la possibilité de décider démocratiquement ce qu'il y a de mieux pour leur bien-être et pour améliorer leur qualité de vie. L'OMC et le système de commerce mondial, pour jouer son rôle, doit assurer justice et impartialité envers les pays en développement. Mais ce qui est le plus important, c'est que tout accord commercial international doit s'assurer que l'économie des pays en développement est performante. Si l'Inde est performante, l'Europe et les États-Unis pourront lui vendre leurs produits. Si l'Inde n'est pas performante, alors l'Europe et les États-Unis ne pourront rien lui vendre. Donc les pays développés ont tout intérêt à établir une économie performante en Afrique, en Asie de l'Est et dans le Pacifique pour assurer leur propre survie économique. Tout accord commercial doit tenter d'atteindre cet objectif. Un des aspects les plus discutables des derniers accords de libre-échange concerne la propriété intellectuelle, la protection des idées. Pour la première fois, les derniers accords commerciaux ont protégé la propriété intellectuelle. Pour le mois de juin, approximativement de juin 1986, l'Oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos le otorga una patente sobre una variedad de la planta de la ayahuasca y a nombre de un ciudadano norteamericano, californiano, de nombre Loren Miller. Lo que hace el indicado personaje es llevarse una el prototipo de la ayahuasca para su laboratorio en California. El señor Miller, a través de una combinación de un gen o de un principio activo de la planta de la ayahuasca, él obtiene una nueva variedad. Y la Oficina del Patente de los Estados Unidos le otorga la patente. Esta patente no fue conocida en el Ecuador, así como muchas otras, sino hasta solamente 10 años después, que circuló en un diario internacional. Durante la vigencia de la patente, para el sistema de derechos de propiedad intelectual, para la propiedad industrial y concretamente para el título de propiedad de esa patente, los indígenas obviamente
con su uso tradicional de la patente, para los efectos legales, ellos estaban violando. Estaban violando la ley. No, en la selva. Una ley de los Estados Unidos. Entonces, los pueblos indígenas amazónicos, a través de la COICA y sus organizaciones en cada país, rechazaron, obviamente, la patente, porque consideraron que esto es un atropello a su dignidad, ¿no? A su conocimiento ancestral, a su saber ancestral respecto a los usos de esta planta. Y declararon que los conocimientos tradicionales vinculados con el ayahuasca son de propiedad intelectual de los pueblos indígenas. A través del brebaje de la ayahuasca, de la toma de la ayahuasca, el chamán se penetra en el mundo del yo de la persona. Él hace una radiografía interna de todo el aspecto cultural, psicológico de la persona. Identifica cuáles son los males, las enfermedades psicológicas y físicas que pueda tener. La connaissance devrait être comme un bien public. Le troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson, assimilait la connaissance à une bougie. Quand on allume une bougie avec une autre, cela n'éteint pas la flamme de la première. Donc, privatiser la connaissance n'est pas efficace. Les brevets font partie de la propriété intellectuelle. Ils donnent aux sociétés un monopole temporaire sur leurs innovations. Mais ce n'est pas l'unique problème d'un régime de propriété intellectuelle abusif. Cela peut aussi freiner la recherche. Mais le problème du régime de la propriété intellectuelle est plus sérieux que cela. Même s'il a protégé les connaissances dans les pays développés, il n'est pas équilibré. Il ne protège pas les connaissances des pays en développement. Et il a créé un nouveau problème que l'on appelle la biopiraterie. Les sociétés multinationales sont allées dans les pays en développement pour y prélever des gènes et privatiser ainsi ce qui était un bien public. Oh.
Nous devons créer un régime de propriété intellectuelle qui protège les connaissances traditionnelles et les pays en voie de développement contre les menaces de la biopiraterie. Le régime actuel de propriété intellectuelle est déséquilibré. À cause de cela, il n'incite pas à la recherche dans nos pays. Et donc, notre niveau de vie n'est pas aussi élevé qu'il pourrait l'être. Il crée des monopoles qui font monter les prix. Et comme ce sont les consommateurs qui payent ceux qui détiennent les monopoles, de nouveau, ils sont désavantagés. Beaucoup de nos médicaments sont issus de gènes provenant des pays en développement. Mais si on n'incite pas ces pays à préserver leur patrimoine génétique et leur biodiversité, ils ne seront plus en mesure de nous fournir ces gènes. Il est donc dans notre intérêt de créer un régime de propriété intellectuelle plus équilibré. À long terme, la biodiversité de l'Amazonie offrira beaucoup plus d'avantages de tout ordre, même économique, à l'Équateur et au monde que ce que peut offrir le pétrole. Extraire le pétrole détériore gravement le climat, crée des problèmes sociaux, de santé, et en plus, nous continuons à réchauffer l'atmosphère. Je crois qu'il faut donc trouver une solution, non seulement pour l'Équateur, mais pour tous les habitants de la planète. Il faut maintenant commencer à réfléchir pour résoudre nos problèmes locaux et ceux du monde entier. Le gouvernement équatorien propose de laisser l'équivalent d'un milliard de barils de pétrole sous la terre, un pétrole lourd. Ne pas toucher à ce pétrole, protéger l'Amazonie et la forêt, et demander une sorte de compensation à la communauté internationale pour ne pas exploiter ce pétrole. Nous avons discuté avec le Parlement italien et nous pourrions trouver un accord pour que les personnes qui investissent dans ce pétrole pour le garder sous terre bénéficient d'une réduction d'impôts. Un jour, nous devrons cesser d'utiliser les ressources naturelles comme seule ou principale source de financement de l'économie équatorienne. Maintenant, nous devons imaginer des solutions locales et mondiales. On ne peut pas attendre que les solutions mondiales tombent du ciel. On ne dépend déjà plus du Fonds monétaire international. On ne reçoit plus d'instructions de la Banque mondiale ni d'autres organismes de crédit. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de relation avec eux, mais les choses changent. L'Équateur et son gouvernement deviennent respectables. La Banque mondiale et le FMI, le Fonds monétaire international, ont été créés à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Le FMI a été créé pour prévenir une autre crise financière mondiale, comme celle qui a généré la Grande Dépression de 1929. La Banque mondiale a été créée pour aider l'Europe à se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. Dans ces deux institutions, les pays développés possèdent la majorité de vote. Ils peuvent ainsi imposer leurs décisions aux pays émergents, que ceux-ci le veuillent ou non. Nous n'avons pas besoin de cette bureaucratie internationale néfaste, surtout du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Il est clair qu'ils sont à l'origine des problèmes, pas des solutions. Il est évident qu'ils ont défendu une idéologie, celle du consensus de Washington. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale cachaient une campagne idéologique sous prétexte d'une recherche scientifique. Chacune de leurs recommandations politiques, chaque prescription ou condition de prêt, si on l'analysait objectivement, pouvait être parfois favorable à l'économie du pays, mais toujours elle était favorable au capital international et surtout aux spéculateurs internationaux. Ces messieurs ont toujours défendu les intérêts internationaux et défendu les créditeurs, mais jamais soutenu le développement de notre pays. Plus on se passera de cette bureaucratie incompétente, malhonnête et apatride, mieux ce sera pour notre gouvernement et l'Équateur. Pour cela, nous venons de payer notre dette au FMI et moins nous aurons affaire à eux, mieux on se portera. Nous avons expulsé un représentant de la Banque mondiale car il nous avait fait du chantage en retirant un crédit déjà attribué car on avait modifié une loi nationale. Un gouvernement respectable ne pouvait tolérer cela. S'il y a tant de méfiance envers le FMI et la Banque mondiale, c'est à cause de la différence entre la politique que les pays du Nord ont menée chez eux et la politique qu'ils ont imposée aux pays en développement. Le contraste entre la manière dont a été gérée la crise asiatique de 1997 et la gestion de la crise financière de 2008 en Amérique et qui s'étend au reste du monde, démontre bien comment ces institutions traitent différemment les problèmes dans les pays en développement et dans les autres. En Asie, on a voulu s'assurer que les créanciers occidentaux seraient remboursés. C'est pourquoi on a monté les taux d'intérêt, alors qu'aux États-Unis, on a baissé les taux d'intérêt. Les politiques menées en Asie ont généré la récession, puis une forte dépression. Alors qu'aux États-Unis, on a baissé les taux pour essayer de prévenir la récession. Face à tous ces problèmes, nous pensons qu'il faut une nouvelle structure financière régionale. C'est la Banque du Sud. Elle permettra l'intégration sud-américaine et latino-américaine. Nous espérons qu'elle sera la grande banque du développement qui financera nos infrastructures. Ensuite, il faudra créer un fonds sud pour récupérer les réserves que les pays d'Amérique latine ont placées au nord et qui ainsi financent les pays développés. Cela pour financer notre développement et nous protéger des crises financières internationales. Aujourd'hui, j'insiste, nos pays ont des réserves qui financent les pays du Nord. C'est absurde et ne résiste à aucune analyse. Nous devons créer une institution qui récupère ces réserves pour nous couvrir en cas de crise régionale et pour financer notre développement, pas celui du pays développé. Dans tous les pays qui ont réussi, le gouvernement a joué un rôle primordial à chaque étape importante de leur développement.
La solution pour un développement réussi est de trouver un équilibre entre le gouvernement et les marchés. Et c'est précisément parce que le consensus de Washington et les politiques néolibérales qui ont été imposées par le FMI et la Banque mondiale n'ont pas trouvé cet équilibre qu'ils ont échoué si dramatiquement. Les pays qui ont appliqué les consignes du consensus de Washington en Amérique latine n'ont pas aussi bien réussi que les pays est-asiatiques qui ont suivi une stratégie de développement économique très différente. La première leçon à tirer pour bien faire fonctionner la mondialisation, c'est de restaurer cet équilibre entre les marchés et les gouvernements. Et d'oublier cette idéologie néolibérale est soumise au marché financier qui a été le cheval de bataille du FMI et de la Banque mondiale depuis un quart de siècle. En plus de cela, il faut réformer la manière dont ces institutions sont dirigées. Comment ces institutions, dont la gouvernance elle-même est si défectueuse, peuvent-elles prétendre jouer un rôle important et influent dans les pays qu'ils conseillent? On peut débattre sur le choix de la politique à mener, mais si on croit en la démocratie, on doit laisser à ces pays le choix de leur politique pour améliorer la qualité de vie de leurs citoyens. L'architecture de l'économie mondiale est en train de changer. Alors que les États-Unis ont été le chef de file de l'économie mondiale, aujourd'hui, il y a plusieurs leaders, dont l'Inde et la Chine, et même des pays d'Asie de l'Est, avec leur taux de croissance de 9, voire 10%. Cela va provoquer un changement dans les marchés des produits de base et dans les marchés financiers. Imaginez que le prix du coton ne soit plus coté à New York, mais par exemple à Hong Kong, par l'Inde, la Chine ou certains pays cotonniers importants d'Afrique. Ce changement va se faire, j'en suis certain. C'est la conséquence du changement de l'architecture de l'économie mondiale. On ne peut pas penser à la mondialisation sans penser à la Chine. Et on ne peut pas penser à la Chine sans penser à la mondialisation. Car le succès de la Chine vient de la mondialisation et de sa bonne gestion de la mondialisation. Depuis 30 ans, la croissance chinoise a été de 10% par an. Ce qui veut dire que les revenus ont doublé tous les 7 ans. Des centaines de millions de personnes ont été arrachées à la pauvreté. La stratégie de développement de la Chine a été très différente de celle recommandée par le FMI. La Chine a eu une approche pragmatique, non idéologique. Ils ont compris la force des marchés. Mais ils ont aussi compris les limites des marchés. Ils ont bien vu que la mondialisation leur offrait d'incroyables opportunités de croissance. Mais ils ont aussi compris qu'il fallait la gérer avec énormément de précautions. Joe.
Oh, thank you. Do you study English in school? Yes? The growth of this magnitude. Mais une telle croissance génère aussi des problèmes. Certaines parties du pays se sont beaucoup plus développées que d'autres. Et certaines personnes se sont bien plus enrichies que d'autres. Comme dans la plupart des pays du monde, en Chine, les inégalités augmentent rapidement. Dans la hâte du développement des villes, les conditions sanitaires dans les campagnes se sont détériorées. La pollution de l'air est devenue un vrai problème. Et dans beaucoup d'usines, les conditions de travail ne sont pas ce qu'elles devraient être. Et les ouvriers qui ont migré de l'intérieur du pays sont souvent exploités. Ils n'ont pas encore les syndicats qui ont joué un rôle si important pour la protection des travailleurs dans nos pays. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement est attentif à ces problèmes. Et les résoudre est devenu une de leurs priorités. Ils s'activent à réduire les inégalités et protéger l'environnement. Les impôts dans les campagnes ont été supprimés. L'éducation y est devenue gratuite. Et le gouvernement central a voté des lois pour protéger l'environnement. La Chine a de la chance. Car non seulement elle a reconnu ses problèmes, mais la croissance générée par la mondialisation lui a donné des moyens nécessaires pour faire face aux multiples difficultés que le pays doit affronter aujourd'hui. Je crois qu'il est dans l'intérêt des pays développés d'instaurer une mondialisation plus équitable. Mais si les pays en développement perçoivent la mondialisation comme un système d'exploitation, ils s'apercevront que les valeurs défendues par les pays industrialisés sont hypocrites. Parler de libre-échange alors que le régime actuel n'est pas équitable et qu'il est manipulé, parler de démocratie alors que le FMI et la Banque mondiale sont mal dirigés et ne respectent pas la démocratie, dénoncer la corruption mais l'utiliser pour profiter des ressources naturelles et détruire l'environnement des pays les plus pauvres. Si nous voulons que la mondialisation fonctionne, il faudra édifier un monde plus stable et plus pacifique. On ne peut avoir de réelle mondialisation avec une circulation des marchandises et des services entre tous les pays dans un monde où il y a des conflits et où personne n'a confiance en son voisin. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette confiance n'existe pas. Et si cette confiance n'existe pas, c'est que, jusqu'à présent, la mondialisation a été gérée pour l'intérêt des pays développés et pour des intérêts bien particuliers. Et aujourd'hui, les pays en développement connaissent la situation.
Thank you.